L'objectif du Tout-Puissant Mazembe Anglebert en recevant groupe Bazano ce jeudi après-midi au TP Mazembe Stadium était de gagner et de prendre seul la deuxième place au classement partiel dans ce groupe Centre-Sud. Objectif atteint parce que Mazembe gagne 3-0. C'est Given Singuluma qui ouvre le score dès la troisième minute sur le corner de son compatriote Renford Kalaba, amorti de la poitrine et frappe 1-0. Le deuxième but arrive beaucoup plus tard. 35e minute, Renford Kalaba déborde sur le côté droit, le centre, et Given Singuluma va reprendre du genou pour marquer le deuxième but de Corbeau de Tout-Puissant Mazembe en Anglebert. En deuxième période, groupe Bazano sort la tête de l'eau, essaye d'aller chercher un but pour l'honneur et même l'égalisation. Malheureusement, Luyindama arrive à la 67e minute à la place de Solomon Asante. Il apporte beaucoup sur la ligne d'attaque de Mazembe. C'est lui qui, à la 85e minute, part sur le côté droit. Son centre en force à ras de terre est relâché par le gardien de Bazano. Renford de Kalaba qui a suivi au second poteau, pousse le ballon au fond de filet. 3-0, score qui sanctionne ce match de Mazembe contre Bazano et permet au Corbeau de rêver désormais la première place. La première place qu'ils peuvent prendre déjà ce lundi en recevant ici même au TP Mazembe Stadium l'équipe de Lubumbashi Sport. Et ça va s'être clôturé pour Mazembe le 17 février prochain. Ça sera contre l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. L'objectif, c'est la première place au classement dans ce groupe Centre-Sud. Mazembe peut déjà prendre la première place en recevant ce lundi l'équipe de Lubumbashi Sport. En cas de victoire, l'équipe de Mazembe sera seule en tête du classement devant Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimayi. Depuis le stade Mazembe de la commune de Kamalondo, Guillaume Kazadi, Digital Congo.